Aller à gauche et couper, on est là. Je mets mon clignotant à gauche, je me suis sur la Mercedes. Non, tu vas si plus loin. Ah, arrêtez de me parler de la gauche alors. Si moi tout droit, dites-moi tout droit. J'en ai rien à branler. Tu me diras moi, à gauche. Moi je suis français, je t'emmerde. Faudra faire demi-tour à un moment, ça c'est sûr. Continue. Tu vois, c'est là. Là, ici, là. Ça c'est ça, grande zéro. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire demi-tour à gauche. C'est un peu cravin, non? Ça a l'air un peu grignoteux. Ça a l'air très propre. Et puis un autre. Oh là. Oh aïe. Oh la vache. Il a des freins, non? C'est la vache. Petite vidange chez Peugeot alors. C'est ça. Ok, donc c'est là on est arrivé. Ah bah ça va, c'est propre. Quand même. Tu veux ça? Non, c'est pas super. Je vais rester là, les gars. Ciao.
J'ai failli mourir. Allô, on a un clip là. Allô EDF, je suis une petite couille d'électricité là dans la perte. Je sais pas, ça s'allume, ça s'éteint. Ouais, voilà. Ça pue. Besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, les gars. C'est affreux, là. Complètement ça, parce que. Moi, ouais, je suis allergique aux poils de chat. Laissez-moi prendre. Allez, on se fait. Regarde, ce truc, c'est une serviette. C'est une serviette hygiénique. Regarde, il y a du sang dessous. Ils sont pas beaux. Le Lilo. Ah, il s'est fait tout embarquer. Ouais, mais oui, mais par les mecs qu'il avait en pendant qu'il était en zonzon, quoi. Et franchement, de toute façon, je veux dire, la prison, ça m'a grave changé. Là, je peux te dire, ça m'a bien calmé et tout ça. Mais là, si je le croise, je te jure que quand il disparaît, c'est encore plus flippant. Damien, il avait pas envie de faire un créneau, putain. Je te le dis. Ah, c'est le transporteur de gamme. Le créneau à papy, là. Bon, ben, relève ça déjà, t'en as pas besoin. Puis c'est le chier pour changer. Je passe devant et tu passes derrière. Des frissons, rien de le sentir. Des frissons. Il faut en mettre une petite, faut pas en mettre beaucoup. Tu connaissais pas l'anneau? J'avais préféré oublier, je crois. Mais effectivement, c'est super intéressant. Il y a un truc anglais un peu dans le même délire là. La marmite. Marmite, ah, marmite. Mais c'est la même chose, non? Ouais. C'est pas, mais c'est pas la même recette. Tu veux savoir pourquoi j'ai une pile d'assiette? Tu veux pas une pile d'assiette? J'ai le biscuit que t'as mis, t'es fou. Ce soir, c'est obligé, on joue avant eux. Peut-être pas, mon gars. Ah putain. On fait la première partie, ouais. C'est vous qui êtes la première partie? Non. Bah, j'espère. On verra. Tu joueras quand on me dira de jouer. S'il y a un problème, tu demandes à ton manager de gérer tout ça. Il y a une soirée techno après ou pas du tout? Bah, j'espère, moi. J'ai acheté du club maté. Ah, mais la dernière fois, il y en a, ils vendaient de la drogue. Et il y en a, ils disent, ah, j'ai des extasies, ils sont marrons et ils font vomir. Je les conseille pas. Ah bah si, c'est pour envie. Tu regardes un café? Oh oui, oh oui. Vincent, t'as une petite tête hein, quand même. C'est bien. Je sais pas, t'es bien marqué là. Ouais, merci, oui, bon, c'est là. Je dors pas assez. C'est un peu la meilleure place que vous ayez. Ah oui, pour se garer, on peut lancer le camion là.
cool, ça veut dire qu'on va marcher jusqu'à l'atelier. Waouh, ça me fait plaisir. C'est vraiment bien. Non, mais je dis ça me fait plaisir parce que ça me fait vraiment plaisir. Ouais, alors que moi je dis ça me fait plaisir, en vrai ça m'emmerde. Ah, j'ai fait un sandwich pour moi. Après j'ai eu. Cool. Commissaire. Commissaire de quoi ? Commissaire de quoi ? Elle est belle cette affiche. Bah, elle se crache pas bien. Vincent, ça va ? Ah, c'est qui là, toi ? Qu'est-ce que tu fais, Aurélien ? Tu filmes une affiche ? Tu te rends compte où t'en es arrivé ? Bah, ouais, là, c'est un peu la déprime. Tu veux pas filmer ma carte d'identité ? Ouais, ouais. Si vraiment tu peux. Elle est sérigraphiée ? Ouais. Mais là, on l'a passé le poste. Non, non, ça c'est les Suisses. Il y a un poste en Suisse, Ils en avaient rien à faire, ah ouais. Ils regardaient même pas. C'est maintenant, les Français, ils vont être sur les nerfs. En plus, moi, avec ma fiche S, ils vont me... Mais t'as pas de pièce d'identité, alors tu peux dire que tu t'appelles Nathalie Portman. Bonjour, bonjour. La pièce d'identité, messieurs, s'il vous plaît. Oui. Putain. Votre destination ? Lyon. Lyon. Ouais. Et vous arrivez bonjour. De... Genève. Vous faisiez quoi sur Genève? On était allé voir des amis qui ont un bar associatif. D'accord. Voilà. On fait, on fait des concerts. Mes papiers dans ma voiture, j'ai une carte vitale, je sais pas si ça vous va. Retour sur Suisse. Hein? De quoi? Votre papier, monsieur. Ouais, ouais, attendez, je cherche. Vous avez votre pièce d'identité? Bah, j'ai tout laissé dans ma bagnole en France, après j'ai tout mon... Et vous résidez où? À Grenoble. Il n'y a rien qui me le prouve quoi. Ah ben quand là, j'ai la frontière, moi je vous refoule de l'autre côté. Hein. Moi, vous restez en Suisse. Hein. J'ai tous mes. Non mais monsieur, on a un concert à Lyon là ce soir. Allez, prenez vos pièces d'identité parce que vous allez vous faire refouler. Hein. On a des consignes strictes. Hein. Ouais, je sais bien. Ouais, ouais. Allez. Merci. Merci. Au revoir. Gros de retourner. T'aurais peut-être pu lui demander de nous filer 100 balles. Je suis sûr, ça aurait ouais. marché. Bien vu, Aurélie. Bah oui, c'est vachement strict. T'imagines en... Prenez vos papiers, vous dégagez, je veux plus vous voir. Nous, on a du boulot, on a des consignes strictes. Non, mais c'est ça, ils ont vu ta gueule, ils sont des cons. Allô, Daesh ? Bon, on a un pur plan, là. Vous faites passer pour un groupe de rock en tournée. What ? Vous mettez un barbu au volant et son bijou. Bijoux. La musique, elle est bien. Musique de McLaren. Belle version musicale, oui. Putain, j'aurais dû laisser la caméra allumée, quoi. Mais ouais. Oh, yes ! Non. T'as filmé ? Comment tu t'appelles ? Oh non, c'est notre pote de droite quoi. Tu parles de l'Australie ? Ouais. Tu l'as vu sa couverture du New Noise ? Il a été le chercher ce matin. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe ? Eh ben en fait, c'est parce qu'il y a un nouveau groupe qui marche bien en ce moment, tu sais. Ah, yes. Les Marines Rambo. Voilà. On... Putain, c'est ouf. Apparemment, ils sont chroniqués dans Nuz. Et je croyais que c'était un groupe trop peu connu. Trop méconnu. Non, trop méconnu, ouais. Trop méconnu. Ouais, mais vu que maintenant c'est le Big Nose Mag, en fait, ils se sont fait de la promo. Voilà. Ouais, c'est un magazine. Excellent. Que j'ai monté avec un pote. Pardon ? C'est un magazine que j'ai monté avec un pote. Il s'appelle Philippe c'est fait des manœuvres. C'est toi le pote ? Non. Philippe fait des manœuvres. Il s'appelle Philippe Crédon. Yes ! Ouais. Donc à l'intérieur, il y a toutes les dates de la tournée des Smacks de Marilyn. Par contre, le guitariste, il a pris un peu cher, non ? Ouais. Vincent, qu'est-ce qui se passe ? Je me sens pas interview bien. À chaud, là. Je me sens pas bien. T'as fait un regard je peux pas tenir cette bête. C'est quoi, t'as pas eu la dose de chips ? J'ai grave la dalle. On est arrivé. 6 heures ! J'ai bouffé je sais pas quoi. Ça me gratte à mort. Ouais, mais ils sont très gentils quand même ici. Ouais, bah oui, bah surtout qu'ils nous parlent beaucoup. Ouais, vachement communication. Les chips. Oh,
Je sais pas, mais il se passe pas grand chose dans ce film. Mais tu vas lâcher ton compte téléphone de merde, hein. Mais non, tu lâcheras pas. Non, j'envoie mais un toi, texto. Tu veux la lâcher ta caméra de merde. Oh putain, elle est relou. Ok, Vincent, donc là, t'en es où? Bah là, je suis en échauffement. Tu rentres sur le ring dans à peu près 7 secondes. Ouais. Et sinon? Bah là, je suis échauffement sur une serviette. Ok. Parce que je joue avec Patrick Sébastien tout à l'heure. Je vais faire tourner les serviettes. Ok. Du coup, bah, je m'échauffe. Mais ça tourne pas là, on est d'accord, ça tourne pas. Bah en fait, très progressif. Ok. Salut Grolet. Donc tu rentres sur le ring dans 7 secondes. Ouais. Alors là t'en es où? Chaud. Ok. Ça va comment tes douleurs intercostales? Ça fait hyper mal. Et sinon là tu fais quoi? Je m'entraîne pour jouer avec Patrick Sébastien. Donc Big Nose dit New Nose scène 3. Ok, donc New Nose, tu rentres sur scène dans 7 secondes? Non. Fort de faire entrer Edwood Junior dans ta liste des groupes à suivre. Ensuite, on enchaîne, ne zappez pas, Marilyn Rambeau. Imagine un duo avec le charme de Miss Marilyn Monroe et les testostérones de Mr. John Rambeau. Ça laisse songeur, n'est-ce pas? Eh bien, en musique, ça donne Marilyn Rambeau. Un autre duo français qui tâche, qui dérive, haché, des riffs hachés. Un son clair, une batterie ahurissante, pas de chant, le tout pour un truc aussi compliqué qu'énergique. Thank you.
J'aime bien prendre les gens pour en photo les autres. Bon, là, ça fait il y a un problème. Les gens sont en train de prendre. Il est 7h du mat', on vient de faire notre 11e concert de la soirée. Même pas 11h du soir, quoi. Les darons du rock. Voilà ce que ça donne. Les darons du rock. C'est ça. Et voilà, voilà. On attaque au 2e litre. On attaque la quarantaine. Surtout qu'ils veulent pas se vendre le disque sur le camion. Alors, la 35e. La 35e. C'était comment il s'appelait T'as fait bien marrer, toi. Hein, tête de cul. Vous avez eu avec une autre formation et du coup c'est ça qui me rappelle ça il y a pas longtemps. Vas-y mamie. Oh, pas longtemps, il y a d'autres. Sale gueule. Merde, je suis pas bien. Ah, le bâtard. Non, je regarde la petite vidéo que j'ai fait tout à l'heure. Ouais,
Ah oui, toute sa collègue de carte postale, donc j'ai récupéré le sac chez moi, j'ai commencé à essayer de voir si je pouvais. En fait, je peux pas recomposer l'être, mais recomposer d'autres trucs. Ouais, c'est dans ce truc, je te dis, quand tu croises quelqu'un là-bas, tu vois le mec qui arrive et t'as pas envie de le voir. Et t'es là, merde, comment je fais quoi? Et lui, il n'ose pas faire non plus demi-tour. Et t'es là, bon, ben je vais regarder un peu par terre. Je vais gratter un peu la tête. Puis, tiens, je vais sortir mon téléphone, je vais faire semblant de téléphoner. Ah, tu filmes toi? Bienvenue hors cadre autour de la machine Electra 2. Electra 2 de T-Flex. Et je crois qu'elle date de 1976 hein, quand même. Non, c'est pas vrai. Je sais pas quelle année. Non, je fais AGP. Double arbre à cam. En tête. Arbre à cam en tête. Je sais que c'est en ça. Moi, je vais montrer un petit peu le reste de l'atelier. Ouais, alors bah pour. Ouais, là, ça va faire un peu trop bien. Ah, ouais. C'est chambé. T'imagines le nombre de marques. Allez, allez, cadeau, cadeau, cadeau. C'est plus blanc que noir. En fait, tu peux. En fait, ouais, tu, c'est vraiment des gens qui ont le souci du détail, dans la profondeur, mais c'est important aussi. Et c'est un centre culturel assez féministe. Et très libertaire. Et très libertaire aussi. Libertaire, c'est. Et c'est des gens qui remettent en question, qui réfléchissent beaucoup au poids de chaque mot. Quoi. Pas assez clair pour dire des mots qui pèsent beaucoup. Je te dirais jamais ça si j'ai. Bonjour, je le ferais. Mais en fait, c'est vraiment une remise en question de. Non, mais libertaire, c'est la prison. C'est tout. Et vous avez ramené votre camion. Ouais, bah alors en France, on peut parler des prisons. Ouais. Non, mais c'est pas la prison. Ah bon, d'accord, prison. Ok. Excuse-moi. On va pas commencer à parler de prison. Sujet. Vous avez ramené votre camion. Mais c'est. So my friend, I wish that you could see like a bird in a tree. The prisoners must be free.
tu prends un tunnel en dessous de la basilique là, et c'est une des premières sorties. Et après, c'est sur ta gauche, tu vois le canal. Il faut prendre à gauche du canal et tu continues. Mélanger le canal. Ouais. Il se passe un truc de ouf en fait, j'ai pété la caméra, d'accord, c'est ça qui se passe. Là c'est un record là. Ouais je sais, c'est un record mais il se passe que des trucs complètement gueudins, j'aime beaucoup. Mais quand même, je me demande si j'ai pété la caméra ou pas, on est d'accord. Vas-y. Franchement, il y a 4 km à faire, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait un de vous qui vienne avec moi, parce que franchement, je me fais un peu chier tout seul. Non, mais c'est pour ça qu'on disait, tu veux venir avec nous dans le game. Bah ouais, et tu laisses ta chiotte. Non, c'est pas une chiotte, c'est une 405. Ah. C'est cool, les 405. Ouais, d'accord. Bah, je vous laisse les clés. Hein. Non, mais tu viens avec nous, là, et puis on te ramène, tu vois, on va au ok, d'accord. Ok, c'est teubé, sinon, quoi. Ouais, ok, man. Comme ça, si on se crache, on se crache tous ensemble. Ouais, c'est super écologique et c'est super cool. Ouais, bah oui, les cadavres. On brûle ensemble. Les cadavres, c'est tout. Ah ouais, cool. Si merde. Ah ouais, c'est cloisonné. Les gens ils sont pas... Bordeaux, là il est en train de parler de Bordeaux. Mais il a pas l'air content de parler. Non, il est pas content. Je dois bien l'avouer. Bah c'est pour ça, tu vois, nous on est pile poil entre Bordeaux et Nantes, on se pète le cul et casse-couilles. Et on a envie de faire un jeu sympa, quoi. Oh, ça marche bien pour ça. Bon, je sais pas, un petit mot sur la faune, la flore. Tu veux un petit cours ? Une visite, quoi. Ah, voilà. Donc, le marais, c'est un paysage aménagé. Hein. Ah, ouais. C'est un marécage, du coup, les canaux étaient creusés, c'est aménagé. D'accord, c'est du chiquier, quoi. Hein ? Ça paraît naturel, mais en fait, c'est du faux. Mais en fait, c'est comme Disneyland, quoi. Ils ont mis des grosses pelles mécaniques, ils ont creusé des gros trous de ouf. Ouais, au début, tu crois Père Noël, mais en fait, non, mais c'est pareil ici. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'oiseaux ici. Ouais, c'est marrant. Il y a pas mal de martins pêcheurs, là. Souvent on en voit. Ouais. Il y a du sureau, il y a du houblon. Là. Avant c'était marécageux. Donc en fait, ils se sont fait chier à creuser des canaux pour canaliser l'eau et à faire des lopins de terre secs. Et tu vois là, si tu regardes la courbe, tac, t'as une montée et derrière c'est plus bas. Ouais. Et en fait, c'est les canaux, faut les appeler ça les curés, ils vident la vase qui s'accumule, parce qu'avec toute la végétation, ça s'accumule, paf, ils mettent sur le bord. Et ça fait du terrain agricole. Et ils font ça régulièrement encore, non ? Bah, c'est obligé, sinon, en fait, ici, ça s'envase et puis c'est... Ça sera fini. Ouais. En fait, c'est complètement...
C'est exploité quoi. Ouh. C'est une exploitation agricole. Ouais, mais vu que maintenant c'est bah maintenant vraiment, quoi. Ouais. Bah tu vois en fait ça devient des friches. Les agriculteurs, ils se font pas chier à venir cultiver un petit machin alors qu'à côté ils ont des terres où ils peuvent. Et du coup c'est récent, ça a 100, 150 ans. Mais ça a pas servi longtemps quoi. Bah non. Ça a dû être un travail de ouf. Et du coup le souci c'est que vu que l'eau elle vient de partout là, elle stagne ici, ouais. Avec toute la chimie agricole ou le délire, tu vois genre les routes, les plaquettes de frein, tous les produits en fait ils finissent ici et du coup là il y a les espèces, ça vrille grave là. Du coup là il y a plein de trucs qui disparaissent et... Ah ouais. Ouais grave, les poissons il y en a de moins en moins, après ça prend cher en fait. Ouais. Et tous les milieux aquatiques, en fait, c'est super vite pollué. Ouais, ouais. Et du coup, c'est fragile. Donc, envoyez vos dons pour le marais de poids de vin. Pour que je m'achète une vraie pagaie. Ok. Ouais. Ah, c'est la teuf. Ah, on peut peut-être aller jusqu'à la com' d'ici, non? Ah, il y a une petite cuisine. Filme autre chose, aurait que là, c'est nul à chier, ça. C'est très beau. Très beau. Wesh les gars. Vite, vite. Allez, respect.